Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. C'est l'histoire d'un mec. Non, plutôt deux. Mohamed et Kamel, père et fils qui s'évitent plus qu'ils se subissent. Le premier travaille tôt. L'avenir lui appartient, lui a-t-on dit. L'autre vit à contre-courant, à contre-jour, à contre-temps. Ils ne se croisent pas, ils ne se parlent pas, ils ne s'insultent pas. Ils tentent de s'ignorer et ignorer le fossé qui chaque jour les sépare toujours un peu plus. C'est l'histoire de France, une de ces histoires, notre histoire, la Méditerranée comme miroir. Le père est venu en France de façon provisoire. En définitive, il y est resté définitivement sur le qui-vive. Un pied ici, l'autre pays, et l'esprit entre les colonnes d'Hercule. Le fils recule plus qu'il n'avance. Sa vie, il la vit par procuration. Il attend à dire, mais les mots restent bloqués au bord. Son cœur, une tempête, sa tête, ferait passer le désespéré de Courbet pour un optimiste. Merci à vous. Merci beaucoup et bon retour pour cette introduction.
spectacle ICRA qui sera proposé le samedi 2 mars. C'est encore un travail en gestation, vous voyez qu'ils ont déjà bien travaillé. Merci à eux d'avoir pu être là ce soir. L'art d'accommoder les restes. Avec ces deux petites grand-mères, nous retrouvons une équipe que nous avons beaucoup aimée, qui a été présentée lors de notre temps fort Sicilia Nostra à l'automne dernier. Ici, ce sont trois artistes, même si elles sont deux au plateau, car il y a une manipulatrice des marionnettes, Rebecca Marley, qui est cachée, qui est juste derrière les têtes, tandis qu'à la musique, Emmanuel Adair et Esther Marlowe composent une musique du sud de l'Italie. C'est un duo de ces deux petites nonnes un peu irrévérencieuses, voire légèrement coquines, j'ai envie de dire. Elles nous apportent des chansons du sud de l'Italie. C'est un tour de chant vif, joyeux, avec guitare électrique, percussion, synthétiseur analogique. Et elles revisitent ce joyeux répertoire avec force guaille. On y retrouvera des chansons de tout le sud de l'Italie, des Pouilles et de la Sicile, qui composent une grande partie de notre identité sétoise. Devant l'emballement des communes pour accueillir ce projet, nous nous rendrons à Bouzig, à Marseillan, Gijan, Villeverac et Vic-la-Gardiole. Un concert marionnettique à déguster en famille. Super. C'est génial, hein, vraiment. Oui, allez. Alors, si je vous dis la compagnie diptyque, peut-être que ça vous parle, mais si ça ne vous parle pas, peut-être que c'est votre corps qui s'en rappelle, parce qu'ils sont venus avec Mirage un jour de fête en septembre dernier sur le parvis du théâtre, et clairement, on avait chauffé la tabonnette. On a bien dansé, et ils avaient quand même bien enflammé le public. Cette fois-ci, ils reviennent avec leur dernière création, Le Grand Bal, qui sera créé à la Biennale de la Danse à Lyon, tout prochainement. Cette fois-ci, ils nous embarquent sur des problématiques plutôt actuelles. Avec Le Grand Bal, la compagnie va répandre comme une mystérieuse, on va dire, fièvre de la danse, qui va clairement faire vibrer 10 danseurs urbains sur le plateau. Issu de la danse plutôt hip-hop et mordu, on va dire, des battles, le binôme de chorégraphes Swahid Marchich et Mehdi Megari, excusez-moi, invente vraiment une révolte du corps et trouve comme seule issue, finalement, l'envie de danser. Attention, cocktail chorégraphique garanti. En voici quelques images, mais de répétition. Et y ajoute la nécessité de partir d'un espace, celui du quotidien, empreint d'un grand réalisme et d'une forte dimension plastique. Dans cette toute nouvelle création de Andrés Labarca et Lola Etienne, il propose de nous plonger dans un univers décalé de deux magnifiques acrobates qui donnent vie à une maison. Une maison à moitié en ruine, visiblement brûlée lors d'un incendie. Une maison de bord de mer, entourée de sable que l'eau de mer n'a pas pu sauver. Dans ce lieu subsistent quelques objets du quotidien, un aspirateur, une radio, un réfrigérateur, des tableaux, des livres, tout un joyeux bazar à la fois hyper réaliste et onirique. Deux personnages dont on ne saura jamais s'ils sont frères, amis, amants, ou bien une seule et même présence en ce lieu. Andrés Labarca et Sylvain Descure proposent un étonnant duo clownesque évoluant avec grâce dans cet univers surprenant. Ils détournent les objets du quotidien de leur fonction première et tentent de leur redonner vie. On en découvre quelques images lors de la création au Festival Sprint en Normandie
et ce projet a été accompagné en coproduction par le TMS. Imaginaire, une utopie, un univers loufoque et absurde. Après avoir accueilli 7 sœurs de Turaki au TMS la semaine dernière, ce nouveau volet explore plus profondément la généalogie de la famille et de la mémoire. Au plateau, une comédienne accompagnée de 3 musiciens qui joueront en live, mais sans aucune parole. Ma mère, c'est pas un ange, fonctionne un peu comme un zoom sur une des 7 sœurs de Turaki. Nourrie des mythologies, des figures de sorcières, de Calamity Jane, des anecdotes du quotidien, le petit monde bricolé du Turak nous invite à partir à la rencontre d'une figure féminine pour faire émerger des questions sur la famille, la vieillesse, la solitude, la féminité ou encore la maternité. Finalement, la question de la place de la femme dans un monde d'hommes. En feuilletant l'album de ses souvenirs quelquefois fantasmés, voire trafiqués, vous pourrez découvrir une poésie à fleur de peau et entrer, comme par magie, dans l'intimité d'une femme libre, ancrée dans le monde qui l'entoure. Eh bien, vous pouvez applaudir Juliette, qui est en stage chez nous. Et quand même, elle a bien voulu se prêter à l'exercice avec nous. Et on lui en sait gré parce que c'est quand même pas facile. Alors franchement, chapeau Juliette, quoi. Ça vous fait bouger en plus, un peu comme ça, c'est bien. On est en mars, vous inquiétez pas, ça va rouler comme ça. Encore, il y en a pour quelques temps, mais tout va bien se passer. On va continuer avec la proposition Nuit d'Octobre. Je vais laisser Louise Vignot prendre la parole et vous raconter elle-même le spectacle. Ce sera bien plus construit et bien plus intéressant que ce que je pourrais vous dire. Juste vous présenter Louise Vignot, qu'on a déjà accueilli la saison dernière dans une mise en scène d'un texte, Le Quai de Ouistreham, que vous aviez beaucoup aimé, je crois, et qu'on a présenté sur le territoire. Sur le plateau, il y avait cette comédienne incroyable, Magali Donat, qu'on va pouvoir retrouver dans cette nouvelle création. On est coproducteur de ce spectacle et on est très fiers d'accueillir Nuit d'Octobre, qui va contribuer à lever le voile sur une période de l'histoire qui est encore assez méconnue. Et bien, Louise, à toi de jouer. Bonjour, bonsoir. Nuit d'Octobre, c'est quoi? C'est un texte inédit écrit par Myriam Montaigna et moi-même sur une nuit particulière, une nuit taboue dans notre histoire de France, celle du 17 octobre 1961. Ce soir-là, 30 000 Algériens et Algériennes défilent dans les rues de Paris pour manifester pacifiquement à l'appel du FLN et protester contre le couvre-feu raciste imposé par la préfecture de police dirigée par Maurice Papon. Plusieurs milliers sont arrêtés, battus, expulsés, tués, certains jetés à la Seine. Et le lendemain, aux informations, le ministre de l'Intérieur donne le ton en déclarant « il ne s'est rien passé ». Cette nuit de massacre, je l'ai découvert très tard, je ne la connaissais pas, en 2018. Et j'avoue qu'en tant que Parisienne, elle m'a perturbée, j'ai eu l'impression d'avoir grandi sur un mensonge.
Et depuis, une question ne me lâche pas, qui est comment peut-on pleurer un mort ou disparu qui ne l'est pas, puisqu'il ne s'est rien passé. Notre parti pris, Amélie Moudena et moi-même, n'est pas de faire documentaire, il y a assez de documents qui peuvent raconter ce qui s'est passé si on veut savoir, mais d'utiliser la fiction et le théâtre pour explorer les conséquences humaines des mécanismes d'oppression et de silenciation. La pièce sur les itinéraires de plusieurs personnages fictionnels, certains inspirés de personnes réelles que nous avons rencontrées au cours de nos recherches. Il y a l'histoire de deux fantômes, Octobre et Zora, qui errent, qui hantent l'histoire, l'histoire d'un père face à la peur de son enfant, d'une archiviste qui brave ses supérieurs pour préserver la vérité, d'un lieutenant de police déterminé à éradiquer le FLN et plein d'autres itinéraires, autant de destins interprétés par 11 comédiennes et comédiens pour plonger dans une grande aventure collective comme la possibilité d'une réponse, la possibilité d'une fraternité face à la brutalité du récit et de l'histoire. Un théâtre qui raconte et qui bouleverse, un théâtre qui émeut et qui perturbe, qui réhabilite l'humain au cœur de l'histoire et que nous avons hâte de partager avec vous. Et puis sans transition, comme ils disent à la télé, voilà l'histoire de Dans la caravana, qui est un texte écrit et mis en scène par Catherine Anne. C'est l'histoire d'une famille trimballée sur les routes, dans une carriole. Depuis toujours, le père raconte à ses trois enfants qu'ils ont tous été chassés d'un splendide palais situé dans un splendide royaume. Chaque enfant doit composer avec ce récit et espère qui de s'arrêter un moment, qui de toujours continuer la route. Ce texte, adressé aux enfants à partir de 6 ans, explore la question douloureuse de l'exil et questionne l'ailleurs au travers un spectacle musical et joyeux, fondamentalement ludique, traversé de quelques moments d'émotion. La proposition qu'incarne Paul Tronco, Lalou Visoka, Martin Seb et Fabienne Pralon, qui a signé toute la musique et joué en direct, fait le pari de la jubilation et du clownex. Du clownex, moi j'ai choisi que les spectacles avec des mots difficiles à dire. Elle plonge les jeunes spectatrices et spectateurs de cette création au cœur d'un théâtre, je vais y arriver, simple, populaire et généreux. Mon bon papa, pourquoi toujours vous le... C'est le chemin, Dora. Où mène-nous le chemin? Pas bouger. C'est la mort. Bouger, c'est la vie.